Shalom, bonjour. Je continue la lecture du Nouveau Testament, 5 minutes par jour, dans la version traduction David Stern. Et là, on est dans Romains chapitre 15, versets 23 jusqu'au chapitre 16, verset 7. Le thème, c'est Paul apportait plus qu'une doctrine aux chrétiens de Rome. Il avait un message personnel et des salutations personnelles à adresser à ses frères et sœurs en Christ, dans le Messie. Amen. Allez, c'est parti. 23, 15, 23. Mais maintenant, puisqu'il n'y a plus aucun endroit dans ces régions où l'on ait besoin de moi, et puisque je désire venir vers vous depuis tant d'années, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne et recevoir votre aide pour me conduire dans ce pays après avoir savouré la joie de votre compagnie pendant quelque temps. Mais pour le moment, je vais à Yerushalayim pour assister le peuple de Dieu là-bas. Car la Macédoine et l'Achaïe ont pensé qu'il serait bon de faire une collecte pour les pauvres parmi le peuple de Dieu à Yerushalayim. Ils ont été heureux de le faire, mais en réalité, ils le leur devaient. Car si les païens ont eu part au bien spirituel des Juifs, alors les païens ont le devoir d'aider les Juifs dans les choses matérielles. Quand j'aurai donc accompli cette tâche en étant assuré que les fruits de cette collecte sont bien entre leurs mains, je partirai pour l'Espagne et sur mon chemin je vous rendrai visite. Et je sais que lorsque je viendrai vers vous, et ce sera dans que lorsque je viendrai vers vous, ce sera dans la plénitude des bénédictions du Messie. Et maintenant, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Yahusha le Messie, et par l'amour de l'Esprit, du souffle, à vous joindre à moi dans mon combat en adressant des prières à Dieu en ma faveur, afin que j'échappe aux incroyants de Juda et que le service que j'exerce à Yerushalayim y soit agréé par le peuple de Dieu. Et alors, si c'est la volonté de Dieu, je viendrai vers vous dans la joie et passerai un temps de repos parmi vous. Que le Dieu du Shalom soit maintenant avec vous tous. Amen. Chapitre 16. Je vous présente Phobée, 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 Phoebe, Phobée, notre sœur, Shamash de l'assemblée de Senchré, Shamash. Serviteur, servante, surveillante, diacre, diaconesse. Ah. Donc, de l'assemblée de Chenchré, afin que vous lui fassiez bon accueil dans le Seigneur, comme il convient au peuple de Dieu de le faire. Et donnez-lui votre aide là où elle peut avoir besoin de vous, car elle a été une aide précieuse pour beaucoup de gens, dont moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons de travail pour le Messie Yahusha. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie, et ce n'est pas moi seul qui les remercie, mais également toutes les communautés messianiques parmi les païens. Saluez de ma part l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Saluez mon cher ami Epaïnette, qui a été le premier dans la contrée de l'Asie à mettre sa confiance dans le Messie. Saluez Myriam qui a travaillé dur pour vous. Saluez à Andronicus et Junias, des parents à moi qui ont été en prison avec moi. Leur renommée n'est plus à faire parmi les émissaires. Ils ont mis leur confiance dans le Messie avant moi. C'est bizarre qu'on ne finit pas les salutations. Il arrête à... Oui. La proposition, c'est jusqu'au 7. Moi, j'ai lu déjà jusqu'au 8, je crois, là. Ils ont mis leur confiance dans le Messie avant moi. On va arrêter là, donc. Oui, c'est ça. Jusqu'au 7. Petite lecture. Très petite lecture. Alors, la question de méditation, c'est... Une de mes connaissances apprécierait-elle une brève visite, un cadeau attentionné, des prières? Un signe de reconnaissance, un coup de téléphone ou un petit mot de salutation de ma part. Oui, sûrement. Sûrement, sûrement. Moi aussi, j'apprécie.
Donnant, Seigneur, donnant, sans rien attendre en retour. Merci, Seigneur, de nous inspirer, de nous conduire. C'est vrai qu'on a plusieurs connaissances et que des fois, on néglige aussi ceux qui sont tout près pour des gens lointains qu'on ne voit pas. C'est pas bien, Seigneur. Accorde-nous d'être réellement connectés, présents. Au milieu déjà de notre famille, de notre entourage, de nos voisins, tous nos contacts de chaque jour quotidien. En ce moment, je suis toute seule, oh Seigneur. Mais je te prie particulièrement pour mon papa qui est aussi tout seul dans sa chambre d'hôpital. Et merci pour les prières que je reçois, les mots de sympathie de chacun. Merci Seigneur. C'est un encouragement, c'est vrai. Et que moi aussi je sache donner de l'encouragement et de l'attention autour de moi. Merci Seigneur. Ton amour. Que ton amour soit déversé dans nos cœurs à tous. Toi tu es l'exemple. Toi tu donnes. Donnons-nous aussi Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que nous avons encore cette journée de vie. Et malgré la pluie ce matin, le soleil qui est revenu, c'est bien. Merci Seigneur. Il fait étonnamment, étonnamment doux. Pas froid du tout. Ah, merci pour le manger, le boire, la bonne santé, voilà. Alléluia. Tu es là, à côté de moi. Je ne suis pas seule. Et mes frères aussi, chacun. Nous sommes tous accompagnés de toi, de ton souffle saint. Merci pour cette présence merveilleuse, pour ta fidélité et encore une fois pour ton grand amour. Nous savons qu'il a été manifesté à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour et quel bonheur de faire partie de la famille de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu. Merci Seigneur de toucher les cœurs afin que les vies changent. Parce que toi, quand tu viens dans les vies, il peut qu'y avoir du changement. On ne peut pas rester le même, la même personne, c'est pas possible. Merci Seigneur, d'enlever tout orgueil et résistance à être obéissant à ta parole, Seigneur, à connaître ta parole aussi, Seigneur, à chercher. Amen. Soyez bénis. Shalom. Bisous. Bonne préparation de Shabbat.